Honorable sénateur Guy Philippe, commandant Guy Philippe, ancien sénateur PIA, eh bien, je dis à la changer tactique bataille là. Bataille la pas campé, bataille la pas campé, et faut que nous joignons justice nous avec le gouvernement qui l'a. Guy Philippe qui lui-même toujours manifesté eh bien, volonté pour le prendre tête pays ça. Mais est-ce que Guy Philippe vraiment, mesdames et messieurs, et l'elle reprend pays ça, est-ce que nous pral délivrer en bas mes gangs? Est-ce que pays a pral changer? Est-ce que la vie chère pral suspendre? Est-ce que peuple haïtien pral ka marcher à l'aise? J'ai ouvert dans pays d'Haïti, ces questions en pile mon a posé, mais jusqu'ici, nous pas capable de jouer une réponse. Je dis à la Guy Philippe qui dit même, changer tactique là, monsieur changer. Donc, direction bataille là, pas de route, pas bois, c'est palais national lié, tête droite. Sans le pas oublier, eh ben pour donc corriger Kaïnek CPT là qui tombe dans corruption, mesdames et messieurs, c'est coûte 100 millions goudes. Eh ben chaque conseiller présidentiel a demandé eh ben des directeurs pour ne yo capable ba yo pour retenir poste. Si ou pas d'accord, eh ben amis, ou pas obligé jouer une révocation ou bien ou démissionner, et c'est concerné yo a frappé dans moment n'a parlé là, c'est en pile monde dit. Mais qui côté pays ça lui même ni pour aller jodi en n'y a pas une question pays à défendre, mais c'est plutôt poche yo, ouais. C'est l'argent avant tout, c'est comme ça n'est pas bon la caille fonctionner. Gain tout Jean-Pierre Bailly, mesdames et messieurs, et ben qui dit même sorti dans silence là, écoutez le gars, on paquet gros information, gros révélation, choc. Donc sous et divers membres dans CPTA, et ben mesdames et messieurs, que ULCC cloué, bien cloué dans dossier corruption ça. Eh bien, qui lui-même déjà fait gare connu, commencé par être l'aide, parce que là, autant de niveau corruption, n'est pas bon ici, franchement, on va poser cette question, mais est-ce que n'est ça, eh bien, nous sommes capables de faire confiance, est-ce que n'est ça, nous avons gagné l'espoir sur yo, est-ce que n'est ça, nous avons mettre notre tête, nous, donc, ils ont fini faire pays, ou bien, ils ont changé Haïti, nous pas arrêté quoi ça. Eh bien, écoutez, ancien sénateur Guy Philippe, mesdames et messieurs, nous avons tourné. Oui, sénateur, bon bagage, monsieur, et PM n'a dit aujourd'hui, là, qui attire attention. Monsieur parlait de questions, dialogue avec Gangyo, et monsieur fait qu'on est que 50% dans Gangyo, c'est Timoun, entre 12 ans et 17 ans. Et, ou même, ou vient avec une proposition de et commission vérité. Maintenant, qui différence, ou pensez qu'il y a une autre deux démarches, ça, ou? Ou pensez que c'est parce que y a un problème avec vous personnellement qui fait que y a plus à essayer prendre plan en langue et commission de sécurité a pour pas utiliser l'autre langage, mais c'est toujours même ido là où t'es venu avec là qui c'est commission de vérité a. Est-ce qu'on pense que c'est même plan en langue, mais y a pas aimé personne noir, y a pas aimé la personne de Guy Philippe, mais y a battu au volet idée là, y a connaissé ou bien qui a venu avec une solution, mais y a battu au passé dans courbe. Est-ce que c'est ça qu'on comprend dans la démarche là? Okay. Si tout veut adopter, si vous voulez mettre en œuvre, en application, nous sommes trop contents. Pour peuple, là, on souffre. Pour nous qui retourner la caillou, pour tout le monde à l'école, pour nous à le travail, pour tout risque à venir dans le pays, pour créer une richesse dans le pays, pour nous soutenir la misère. Le problème, c'est que nous n'avons pas aucun plan. Le problème, c'est que nous venons là, nous avons un pouvoir d'ailleurs, nous avons un travail pour pouvoir. Nous connaissons
pas aucune légitimité. Yo tout connaît que n'importe qui le, yo cap capoter yo. Donc chaque grand jour passé pour l'exercice au pouvoir, c'est qui vient faire plus comme pas de grand projet national, pas de grand projet pays. Et c'est ma suggestion parler là, c'est que ou évoquer une véritable crise de leadership ou là, ou évoquer une question de incompétence. Nèg yo pa gen plan, yo pa gen aucune vision, yo pa konn kote yo pour aller. So ajouté avec crise politique là, nous n'a fait face à une crise de leadership. Si n'a constaté comment nèg yo pral réunir en katimi, au konn pour yo discuter position, pouvoir, comment y a déchiré pouvoir, mais et puis peuple là lui-même, li nan misère amère, gang a ravagé, grand goût insécurité pendant ce temps, nèg yo gen 3 mois pour gen 4 mois. Peuple là pourquoi j'aime senti que nèg yo et à penser pour lui. So, est-ce qu'au d'après ou même vous sentez une véritable crise de leadership, absence de vision, absence de compétences, un lac clair de compétences? Alors, situation ça là, il est capable de permettre à ce que le pays a une plus grave que jeune grave la situation là. On va dire son absence de leadership. Même qu'il a un seul leader, j'aime bien le leader, c'est leader parce qu'il a mené mon. Mais il va qu'une vision. Il va rien à quel moment au pays. D'ailleurs, depuis 30 ans, c'est au Cap-Cras, c'est le pays qui a capturé le pays. Est-ce qu'on pense que c'est un hasard? C'est pas un hasard que les États-Unis d'Amérique, en tête à CARICOM, mettent 9 mounes à ce pouvoir. D'ailleurs, chaque gars de chaque côté de mounes à ressortir, qui a représenté le pays aujourd'hui là-bas. Vous pensez que c'est pas un hasard que les États-Unis choisissent un monde qui vient dire lui-même qu'il va dans la politique en Haïti, qui a vu les États-Unis, qui, en dehors de la réalité, pas même comprendre la réalité, nous prenons le mettre le premier ministre. Vous pensez que c'est pas un hasard? Toi, c'est un jeune, les insécurités, ZAM. Gardez quoi de ZAM, aussi. Gardez qui est-ce qui devait fédérer tout groupe armé en Haïti. Gardez pour qui est-ce qui aidait, obligé de écraser toute usine en Haïti, toute sans dégain, qui écrase production agricole, qui écrase du riz, nous. D'ailleurs, président Clinton reconnaît ça devant l'ONU, que c'est lui-même qui a une plus grosse cause que du riz écrasé en Haïti. Mais gardez pour eux, je n'ai pas ce problème, ça n'a pas vivre là. Gardez pour eux qui est-ce qui prend pour représenter le pays. Gardez pour eux qui, comment on a mettre toute force pour imposer l'équipe ça. À travers la presse traditionnelle, à travers les gens qui t'ont parlé, ou monsieur soit 10 ans, t'as fait opinion, pour que nous ne regardions l'autre côté, que côté ni là, je veux dire là. C'est pas que nous avons leader, nous leader, mais c'est leader pour craser les gars. Il n'y a pas de jamais leader pour sauver. Mais, sénateur, et monsieur Jécoté, ou t'es entreprendre des alliances avec, Claude Joseph et Maurice Jean-Charles, ou t'es capable toujours dans transition là, ou t'es capable toujours dans transition là, je vous dis avec Claude Joseph et Maurice Jean-Charles. Mais parce que nous qu'on été fait alliance. Je cherche pour voir. Mm-hmm. Bon, tout ça que vous êtes content, c'est pour le peuple. Tout ça que vous êtes content, c'est Haïti pour bien. Qui vous bon. Si vous voulez pouvoir, qui veut pouvoir, mettez-vous des pays. Oui, mais sénateur, ou pas qu'à changer rien dans un pays si nous, si sans pouvoir, non? Mais c'est ça que je veux dire, si vous avez une idée, nous, toute notre idée, tout est bon pour que l'Haïtien, ou même vous avez dans l'application. C'est pas. L'image que nous vendons à l'international est tellement dégueulasse que c'est pas ça qui va redorer notre blason. Même si la médaille donne à ramasser, nous fournir pour nous voir si nous t'a doré blason Haïti, et c'est pas ça qui va faire blason nous doré. Ok, nous l'aide. Ok, et nous l'aide en pile. Maintenant, si nous faisons un retour en arrière pour nous garder, et c'est ça que moi-même j'ai toujours j'ai fait constat, mais je ne voulais pas paraître comme un sore loser, on est un perdant, et la bon, solution que je t'ai posée, c'est pas le passé. Donc, je ne voulais pas apparaître comme un mauvais perdant. Et donc, by mon... Ou t'as constaté, ou t'as regardé. Regardé, avec de grands yeux. Et puis, où est allé là, et Panédissant parler de remettre la démission à CARICOM. Mais le problème qui est, c'est que l'on a fait rétrospective là, et dans l'histoire d'Haïti, post-Duvalier, et où on devinait avec des conseils de gouvernement, 9 membres, par contre combien de membres encore, finalement l'intéressé marché, assez le nanfité président, Régalat, ministre de l'Intérieur, Joseph, ministre de la Justice,
c'est là ça que le petit semblant de fonctionnement et puis après ça bon bah c'est des solutions qui n'ont jamais marché. Et on regarde et dernière fois des grands magistrats Pétionville et comment se tenir encore et deux trois tu as Max Pennet qui était passé comme magistrat à Pétionville puis on a des grandes figures et tu as l'autre encore oui bon pas songer non mais et bon même et vieux Franco mais tu es magistrat à Port-au-Prince. Le Jean-Claude tombé, il était reproché, monsieur, que le témoin des peuples là mettait fatral en bas cabané, en bas oriel, pour que l'hypate lague fatral dans la rue. Et puis, chose drôle, moi-même, en 79, je suis parti mal au Canada, et puis, mal étudié, et puis, mais, ouais, restriction que Franco met, et tabanou, c'est yop de mise au Canada. Donc Fatra la Kaimé, c'est le jeudi soir, à partir de 7h du soir, m'te kamé des poubelles là sous trottoir pour ton camion passer ramasser Fatra. Mais pendant semaine, Fatra c'est en bas où il y a une vérité. Est-ce que vous comprenez? En bas matelas. Donc ça que peuple et soi-disant et démocratique que t'as pour reprocher et Franco mais comme magistrat à Pétionville et magistrat à Port-au-Prince il était en application dans d'autres pays. Ouais. Donc on trouvait ça et t'es vraiment tant pis. Alors l'autre magistrat m'a parlé de Paul Véhiquet. Alors, on dit ça, c'est pour rentrer dans le scandale que ça a passé là, dans le Conseil présidentiel. Donc, nous constatons une descente aux enfers accélérée et où est que, alors, Panel sans parler de CARICOM, mais c'est pas CARICOM qui vient avec Koulev Neftet là. C'est pas CARICOM? C'est pas CARICOM. Qui est-ce qui vient avec là? Et bon, le matin, il a gagné un politicien et qui lui-même d'où bon ça que lui-même il t'a prôné un conseil et sept têtes. Ok? Et il y a l'autre encore, et puis vous attendez, et puis ouais que et la couleuvre à neuf têtes, ce n'est pas l'émanation de la CARICOM. CARICOM, Dieu se dit, ah, c'est ça nous voulons, eh bien, mais. Donc, en pile le négo, les m'ont expliqué, mes amis, bon, trois magistrats pas qu'à entendre. Alors, c'est pour ça que je parle de un magistrat. On est, les Pétionville de Gossel, magistrat, Pétionville de Pop. La Ligue, trois magistrats, et puis, ouais, dans qui est allié. Donc nous gardons que nous voyons que monsieur et yo dou comme ça que les gars plus président des plus monde qui a besoin de job. Des plus espace. Il y a plus boîte pour aller parce qu'effectivement et l'on est ou pas font commentaire journée jodia et c'est parce qu'on gagne un job. On est que non, bon, qui arrive au côté, si tu parles mal, ou bien chance par un job là. Donc, on abstenir. C'est pas que ça marche bien. Parce que la lune de miel du CP a terminé, puisque trois mois lui ont fini couler. Trois mois d'observation. C'est zéro au quotient comme bilan, à part que les gens très gloutons. Ok? Peut-être bien des gens qui par contre ça veut dire glouton et nèg sain, est-ce que vous comprenez? Et même songer et le bout comme ça que l'on est grand goût et pigoua à faire maquette, ça veut dire que faut pas l'acheter manger pour mettre la caille l'on grand goût puis on va acheter maquette là. Donc, monsieur, ça a une pile de grand goût qui montait là. Un pile de grand goût. C'est des safs.
Ok? Grand majeur. Puisque, l'on regarde le budget des postes négociés, le train de vie négocié. Ok? Alors, tout le monde a souffert de la misère de sécurité. Négocié pas comme devant, pas comme derrière, ben, des limitants. Et son bon. Et vous comme un policier en détachement avec vous, vous êtes comme un chauffeur, comme une machine, vous avez première résidence, deuxième résidence, ok, vous avez frais d'aménagement de la résidence. Est-ce que nous avons regardé comme qu'a dépensé? Alors c'est ça, oui, on a parlé là, information qu'a circulé. Alors député Uxé était partagé là, a parlé d'environ 6,805,000 goudes. Chaque conseil écoute l'État chaque mois. De tout le monde, mais là, ensemble. Si vous voulez réaliser un bagage, vous ne pouvez pas comprendre que ça a servi à quelque chose. Parce que, mes amis, la vie est excessivement chère. Mais c'est pour le peuple haïtien, ce n'est pas pour vous, pas pour le monde. Non, non. Et je vais fonctionner. Nous sommes dans réunion pour conseil d'administration BNCA. L'homme de 5 jours qui a écoulé dans CPTA, dans la discussion. Est-ce qu'il y a un pape, ceci, qui est-ce qui a proposé ce, est-ce qu'il y a un pape, sans aucune audite, sans aucune vérification. Et des comptes sans que pas d'aimer aucune décharge de sa gestion, sans rien. Ok? Et puis, me dit mes amis, 5 jours pour nommer un conseil d'administration de haute entité BNC, et que je ne sais qui bon nous réunir, puisque dans qui est dans le local BNC, que ça fonctionne. Tu vois, si le social n'est pas fonctionnel, donc je ne sais pas qui est dans ce qui est dans le problème. En tout cas, et là permettre que nous retournions dans le studio, bah, et c'est certain que nous capables de retourner avec nous, nous continuer sur le même sujet, ça, parce qu'il y a plusieurs facettes que nous avons gardées là-dedans. Nous avons rejoint nous encore tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas d'accord avec vous. On allait. Et moi, je pense que le pays n'a pas de